Alors, ouais, merci à toutes et à tous d'être présents, d'être présents au nombre, que ce soit dans cette séance ou que ce soit sur le serveur en général. C'est un peu une expérience qui s'est construite durant l'année 2020, déjà autour d'un intérêt commun pour cette histoire d'études des plateformes et d'histoire des jeux vidéo. Pierre-Yves s'est plongé dans l'histoire du jeu vidéo suisse durant l'année passée. Moi, j'ai eu l'occasion de le faire, notamment avec mon collègue David Javet ces dernières années. Et on réalise en fait que il y a beaucoup de comment dire, y a beaucoup de choses encore à découvrir. C'est des terrains qui sont assez peu connus, qui ont été très peu ou très mal valorisés pendant des années. Et donc voilà, on a songé en fait. Après cette année de confinement, à réunir tous ces intérêts, à essayer de les partager avec les personnes qui seraient intéressées. On ne pensait pas que pour cette première séance, il y aurait autant de personnes. Donc ça nous réjouit. Comme l'a dit Pierre-Yves, ce serait fantastique que toutes les personnes ici s'approprient, s'il y a un intérêt en fait pour les sujets qui sont proposés ici, s'approprient cette plateforme, l'anime, partage des ressources, propose aussi. Des interventions, des présentations, des ateliers, enfin tout est possible. Ça peut se faire dans ce cadre plus ou moins officiel d'une grande présentation par mois, mais ça peut aussi être improvisé avec notre soutien à n'importe quel autre moment. Donc voilà, ce projet va vivre en tout cas 6 mois, c'est ce qu'on a planifié pour l'instant. On aimerait bien le prolonger plus longtemps. On va voir en fait ce que ça donne. Et puis on a des ambitions qui sont vraiment des ambitions sur le long terme. Au-delà de l'étude des plateformes, l'histoire des jeux vidéo, elle est encore balbutiante pour ce qui est des contextes locaux. Mais on va parcourir tout ça. La présentation, elle est divisée en deux parties. Une première un peu générale sur ce qu'on entend par étude des plateformes ou platform studies. C'est une lecture qui est assez personnelle. Donc bien sûr, c'est ouvert à la discussion. Soit pendant, soit à la fin. Si c'est pendant, merci de poser des questions dans le channel de janvier, qui est dédié à cette séance. Merci aussi d'échanger les ressources ou n'importe quelle information pertinente à cet endroit. Comme ça nous laisse un historique de la session qui est enregistré pour rappel. Donc cette première partie sera un peu contextuelle, et puis ensuite on ira un petit peu plus dans le détail d'un projet de recherche que je mène avec plusieurs collègues qui est dédié à une série d'ordinateurs suisses qui s'appelle l'ISMAKI. Alors, hop. Voici les prochaines sessions. Dans 2 semaines, ça fait rire certaines personnes, on annonce le séminaire comme étant tous les premiers jeudis du mois, avec la première séance en 21 janvier. Mais on respectera ça pour les prochains mois, avec une intervention de Pierre Hiburel, écrire une histoire culturelle du DAI, généalogie des pratiques. Ensuite, on a la chance d'avoir 1, 2, 3, 4, 5 invités. Carl Therrien, qui a publié un ouvrage dans la collection Platform Studies sur le PC Engine. Vinciane Zabon, qui viendra nous parler des plateformes comme boîte à outils et infrastructure de la production de jeux vidéo. Stéphanie Madère et Romain Goudjil, avec qui j'ai eu la chance de pouvoir écrire un article de conférence sur une étude de 3 jeux vidéo du SMAKI à partir du code. Est-ce que ça soulève comme question sur le plan des sciences historiques? Et enfin, Robin François, qui a déterré avec le musée Bolo la dernière console, la dernière hardware de Sega, la Fish Life, et qui en a fait un grand projet de recherche il y a 2 ans. Alors, les plateformes se disent, qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, une anecdote dans le jeu Space Invaders, qui est d'abord paru en borne d'arcade et ensuite qui a été décliné sur toute une série de consoles de jeux vidéo. Dans sa première version, la difficulté du jeu, on élimine des aliens qui descendent du haut de l'écran avec un petit vaisseau spatial en bas qui tire des missiles. Au fur et à mesure qu'on détruit ces aliens, ils se déplacent de plus en plus vite, ils descendent de plus en plus vite en bas de l'écran. En fait, ça génère donc une certaine difficulté dans le jeu, un certain stress. Et cette accélération a jamais été programmée. Ou disons qu'elle n'a pas été programmée avec des lignes de code, c'était en fait une propriété de la borne d'arcade et notamment du processeur qui, au fur et à mesure que la mémoire se libérait des aliens qui avaient été éliminés, évaluait, enfin mettait à jour le jeu, changeait son statut de plus en plus vite.
ce qui créait cette difficulté. Et c'est un exemple historique ancien, mais qui montre que dans certains cas, dans de nombreux cas, il faut envisager en fait le support sur lequel existe le jeu pour pouvoir l'étudier, pour pouvoir le comprendre sous tous ces aspects. Alors voici le modèle qui a été proposé par deux chercheurs, Nick Monfort et Yann Bogost, pour présenter les platform studies, pour les situer en fait par rapport à d'autres recherches existantes. Ils voient ce modèle pour évaluer en fait des machines, des jeux et des logiciels sur cinq couches. Une première couche, réception, opération, où on s'intéresse en fait aux usages, enfin, ou plutôt à la perception qu'on a du jeu, là. Ensuite, on passe par l'interface, toutes les questions de design d'interface, de périphérique, de HUD, enfin de placement en fait des objets sur l'image. Ensuite, la forme et la fonction, c'est une étude un peu plus culturelle, l'importance historique, culturelle, sociale des jeux, des logiciels, des machines. Ensuite, on peut entrer à un niveau qui est celui du code, s'intéresser en fait aux matériaux, enfin comment sont écrits, comment sont pensés ces objets, et finalement la plateforme, l'endroit qui les accueille. Et donc quelque part, l'ambition qu'il y avait en lançant ce projet de recherche, qui a donné lieu à une collection chez MIT Press et ensuite à des ouvrages publiés, y compris en dehors de cette collection, c'est de dire, quand on se lance de ce genre d'études, il faut s'intéresser à toutes ces couches et notamment ne pas négliger une couche qui est souvent mise à l'écart, qui est celle de la plateforme, donc du hardware dans certains cas, mais pas forcément limité à ça. Alors, bien sûr, le hardware, ça peut prendre cette forme-là, ça peut consister à ouvrir une console et l'étudier. Mais dans le cas qui nous intéresse, on peut aller un petit peu plus loin. On veut s'intéresser notamment à ces deux couches. Donc, comme je l'ai dit, les plateformes se disent, c'est pas uniquement s'arrêter sur les plateformes, mais c'est considérer en fait plusieurs couches à la fois. Avec, par exemple, ici, un extrait d'un jeu vidéo paru sur Macintosh qui s'appelle Stuncopter, où on voit que quand on s'intéresse en fait à aller dans le code source, on va avoir des informations originales. Ici, l'auteur est décédé peu après la sortie de ce jeu. Sa famille, en hommage, a décidé de partager le code, de le rendre libre. Et du coup, finalement, c'est son journal de bord, c'est les seules informations qu'on peut avoir sur ce qu'il a cherché à faire, ce qu'il a cherché à transmettre avec ce jeu. Donc déjà, il y a un intérêt, alors, qui est connu depuis de nombreuses années, pour aussi considérer le code source pour étudier des objets. Mais ça peut être plus complexe. Ici, donc, dans un cas assez spécifique, c'est celui d'une borne d'arcade. Donc bien sûr, on va s'intéresser à des consoles, à des ordinateurs, mais ici on a un cas qui est très spécifique. De nombreuses bornes d'arcade sont souvent en fait conçues spécifiquement pour un jeu. Ici, un jeu que j'aime beaucoup qui s'appelle Tapper, où l'interface est en fait une tireuse à bière. On joue à un barman qui sert des bières, et donc en fait on doit tirer le plus de bières possible et les distribuer. Et donc là, vous avez cet article que je trouve excellent, paru en 2016, qui montre quels sont les liens entre la programmation du jeu et puis les éléments physiques à l'intérieur de la borne, et qui propose ici ce qu'il appelle un close reading, de la même manière qu'on fait du close reading en analyse littéraire, d'un jeu en partant de son code source. Donc c'est des choses qui sont encore un petit peu balbutiantes, méthodologiquement, c'est pas tout à fait uniforme, chacun fait ça un petit peu à sa manière. Ici, l'auteur Mark Nelson part des patentes, donc du brevet du jeu pour faire cette analyse. Donc à la base, dans un article paru vers 2006 ou 2007, Yann Bogost et Nick Monfort s'intéressent à la Wii et puis à la manette qui est assez spécifique à l'époque qui permet en fait la reconnaissance des mouvements. C'est quelque chose qui intéressera peut-être Nicolas Nova, il faudra que je lui mentionne. Mais donc justement la place du périphérique dans l'expérience de jeu. Ici, on a un jeu qui s'appelle Wario Smooth Moves, qui est un peu un jeu démonstration. Ça veut dire que le jeu propose des mini-jeux qui reposent tous en fait sur des manipulations différentes, qui illustrent de manière ici assez amusante. Donc on va se retrouver ici avec des mini-jeux. On nous montre en fait comment il faut procéder. Et ensuite, il y a quelques secondes pour réussir à faire l'action. Ici, donc on a fait un geste en avant. Et donc, c'est assez amusant à l'époque. Yann Bogost et Nick Monfort. Pardon, je passe la slide pour pas que le GIF nous rende fou.
s'intéresse justement à ce que ça signifie par rapport à l'expérience de jeu. Est-ce que la console est conçue pour ça ou est-ce que c'est une utilisation qui est détournée? Qu'est-ce que ça permet? Et donc la réflexion avance petit à petit et dit voilà, pour étudier les jeux, il faut s'intéresser en fait aux plateformes qui les accueillent. Mais les plateformes aussi sont pensées en amont, en particulier les consoles de jeux, elles sont plus ensuite évolutives. Donc on les pense en fait pour une série de jeux. Il y a une déclaration qui se fait à ce moment-là de la part du constructeur. Et ensuite, les studios de développement vont soit suivre cette voie, soit essayer de la pousser à bout. Donc ça donne des travaux très intéressants qu'on verra ensuite. Alors assez rapidement, ça a soulevé toute une série de questions. Beaucoup de gens leur ont reproché de vouloir en fait imposer une approche plutôt informatique de questions qui étaient traitées en fait dans les sciences humaines et sociales jusque-là. Et ils se sont défendus de ça, et notamment invités ici avec ces 6 réponses à des questions qui leur avaient été remontées, invités en fait à considérer ça comme quelque chose de beaucoup plus large, de considérer ça de manière ouverte. Excusez-moi. Et d'ailleurs, ça se retrouve du coup dans une grande diversité dans les différents ouvrages. Certains sont vraiment très très techniques, et puis vont s'intéresser à l'ouverture en fait des machines et puis à leurs propriétés. Et d'autres, au contraire, vont s'intéresser justement à cette influence hein, de l'aspect plus économique et industriel de la plateforme, du statut du concepteur de la plateforme, de cette influence que ça aura ensuite sur les jeux qui sont disponibles. Et typiquement, c'est quelque chose qu'on entendra en mars avec Karl, qui est là en ligne avec nous et qui nous parlera du contexte spécifique et extrêmement riche de la PC Engine. Donc ces deux textes très courts, en particulier celui-ci, les Platform Studies, Frequently Questioned Answers, et une bonne introduction. Mais il faut bien sûr réaliser que c'est pas quelque chose qui est figé dans le marbre. On peut en fait redécouvrir ou plutôt réinterpréter ce concept de Platform Studies. Excusez-moi pour l'étouffement. Donc voilà, on s'éloigne des recherches, mais on peut avoir toute une série en fait d'approches différentes. Donc on peut s'intéresser au hardware, on peut s'intéresser plus enfin, au système d'exploitation qui parfois remplace le hardware ou le complète, au code, au plan marketing, à l'historique du produit, les jeux et les logiciels qui sont sortis dessus, aussi des techniques de game design et de game development qui sont spécifiques. Par exemple, dans le cas de la NES, on a du défilement horizontal qui est quelque chose qui a été voulu au moment de la conception de la première enfin, de la Nintendo. Par justement Nintendo pour permettre d'avoir toute une série de jeux de plateforme qui seront en fait présents en nombre sur la console ensuite dans les années à venir. On va aussi intégrer donc dans cette histoire un peu industrielle et économique les discours de promotion, de réception et aussi s'intéresser à étudier les différents usages et pratiques qui en seront faits. Donc quelque part, il y a une approche un petit peu totale, en fait. On décide qu'on intègre tout dans notre analyse et il s'agit plutôt d'abord d'aborder le problème de cette manière-là, puis ensuite de couper en fonction des recherches qu'on a, d'enlever les parties qui sont pas pertinentes. Donc au final, on a un peu une déclaration, mais on n'invente pas forcément quelque chose de nouveau. On décide en fait plus de mettre en garde, de mettre en évidence tous les angles qui sont possibles. Donc à nouveau, ça c'est mon interprétation personnelle. Peut-être qu'en lisant les textes de Bogost et Montfort, vous les comprendrez d'une manière différente. Donc ils ouvrent la collection Platform Studies chez MIT Press avec un ouvrage consacré à l'Atari VCS, pour lequel en 6 chapitres, qui certains correspondent à des articles déjà parus, en 6 chapitres, qui correspondent chacun à un jeu, on va s'intéresser à 6 aspects différents de la console. Parfois, on s'intéresse au processeur, parfois, on s'intéresse en fait au mode d'affichage. Donc, on a un affichage qui est pas, où tous les pixels, enfin, disons, l'image n'est pas affichée d'un coup, mais elle est rafraîchie de haut en bas. Et donc, ça pose en fait des contraintes au moment de la programmation. Ça va donner d'ailleurs son nom au titre de l'ouvrage, Racing the Beam, où on fait la course avec le rayon qui met à jour l'écran. C'est vraiment un ouvrage fascinant qui lance la collection. Il vous faudra quelques années pour que ça démarre, mais ensuite, on va avoir toute une série d'ouvrages sortir. Maintenant, il y en a environ un, voire deux qui sortent par année. Ici, pour moi, c'est peut-être l'exemple le plus emblématique de la collection. Il faut savoir que j'ai lu que la moitié des ouvrages.
C'est le I Am Error de Nathan Altice, sorti en 2015, qui va s'intéresser aux aspects culturels comme aux aspects de game design. Altice est un professeur en game design. Et il va aussi, excusez-moi, s'intéresser au lecteur de disquettes de la NES. Il va s'intéresser aussi au processeur musical, enfin au chip musical. Et il va croiser un tout petit peu toutes ces choses-là, puis en faire un ouvrage qui est vraiment très très dense, très très riche, et qui permet de voir cette console de Nintendo sous un autre angle. Donc ça, c'est une lecture que je recommande pour les personnes intéressées par le sujet. Avec notamment la possibilité de découvrir comment le jeu Super Mario Bros. Est extrêmement économe à l'époque. Et puis, comment en fait toute une série de sprites sont recyclés dans tous les sens pour qu'un jeu assez riche, avec 32 niveaux, tienne sur juste quelques kilo-octets de mémoire. Alors, voici un aperçu. Sauf erreur, il est à jour. On voit notamment en bas de l'écran un ouvrage qui est consacré à Flash, dont on a beaucoup parlé en fait ces derniers mois, qui était déjà en fait assez documenté à travers cet ouvrage. Enfin, bien sûr pas assez, mais on avait déjà pris conscience en fait qu'il s'agissait d'une plateforme très importante dans l'histoire du game design notamment. Des plateformes un peu plus originales comme le Minitel ou bien le début en fait de l'art assisté par ordinateur avec Peripheral Vision. Donc on a vraiment une grande richesse ici auquel on peut ajouter certains ouvrages. Ici un premier ouvrage consacré à Nintendo DS. Un ouvrage très intéressant au milieu sur les plateformes mineures, donc des plateformes un peu mises à l'écart ici avec ça fait quatre plateformes, une par chapitre. Et puis quelque chose qui nous intéresse énormément et je pense que Vinciane mentionnera ce genre d'approche dans son intervention, c'est aussi de considérer aujourd'hui les moteurs de jeu qui sont très fréquents, Unity, GameMaker, Unreal Engine, comme des plateformes. Comment dire, c'est des logiciels, mais qui vont conditionner d'une certaine manière les jeux qu'ils permettent. C'est aussi des écosystèmes, c'est aussi en fait des contraintes, puis des possibilités. Donc si on veut comprendre en fait les jeux qui se produisent aujourd'hui, c'est important aussi d'envisager ces logiciels-là. Avec ici un coup de cœur, si une fois quelqu'un veut faire une intervention là-dessus, sur Pico 8, qui est une console fantasy, c'est une console récente, en code en Lua, avec toute une série de contraintes qui rappellent l'époque de la NES et de la Master System. Et on voit des choses incroyablement folles être réalisées avec cette plateforme aujourd'hui. Donc ça, c'est une bonne illustration en fait de ce que ça, enfin comment dire, d'une démarche qui soit un petit peu inverse en termes de plateforme, où on se replonge dans les contraintes de l'époque pour mieux revenir quelque part aux sources du game design. Alors, j'enchaîne maintenant sur cette seconde partie. Je ne sais pas s'il y a des questions, Pierre-Yves, ou si j'enchaîne. Pour l'instant, les gens sont restés très calmes. Donc, je rappelle que les personnes peuvent tout à fait écrire dans la séance janvier intro leurs questions et que ça peut aussi être des questions qu'ils posent dans un premier temps à l'écrit et qu'ils les renseignent ensuite, enfin, qu'ils les redisent éventuellement s'ils le souhaitent à l'oral en fin d'intervention. Simplement, petite question technique peut-être, Yannick, est-ce que tu as enlever le son des notifications pour que si jamais il y a d'un coup beaucoup de questions, ça ne fasse pas bip bip en permanence. Alors, Parce que tu peux voir à côté de ton nom en bas, il y a un écrou paramètres utilisateurs là-dedans et tu as sur la gauche notification. Tu peux enlever les sons en excusez-moi. bas. Les... C'est Sounds. Ah ouais, je l'ai déjà. J'enlève message, donc. Oui, c'est ça, je pense que ça suffit. C'est une bonne remarque, parce qu'on a eu beaucoup de notifications au début de la présentation et j'arrivais pas à me concentrer sur les retirer. Donc, voilà, et à part ça, les gens te saluent. Et donc, et Vinciane voudra la liste de toutes ses références, mais donc elle trouvera notamment tes slides en haut dans ce même canal. Donc, j'imagine que les références y sont reprises. Effectivement, il y aura quelques références qui manquent dans les slides, mais je les partage très très volontiers. Et je redis si jamais l'information n'était pas passée, parce que je vois qu'on est
moins nombreux sur le stream que dans le chat. Si jamais vous souhaitez suivre le stream et voir Yannick passer les slides au fur et à mesure, plutôt que de les passer vous-même, vous pouvez cliquer sur « En direct » à côté de son nom, un canal conférence, et regarder le stream. Voilà, je n'en dis pas plus. Merci beaucoup. Donc j'enchaîne maintenant ici sur, c'est pas dit dans le titre, mais on va s'intéresser à une plateforme qui s'appelle le Smaky, c'est une série d'ordinateurs. La notion de plateforme ici, elle peut être discutée, ce serait intéressant. Je vais essayer de couper maintenant le micro quand je tousse. Et donc ici, on a lancé un cours public avec mon collègue David Javet sur le personnage de Bluepie, ce petit personnage jaune que vous voyez en haut. Et on l'a utilisé comme portail pour explorer l'histoire du jeu vidéo suisse. David a commencé à écrire sur le jeu vidéo suisse il y a longtemps, je l'ai rejoint tout récemment. Et en fait, on a réalisé que directement sur notre lieu de travail, sur le campus universitaire lausannois, on avait une machine complètement folle, riche, qui avait été en fait plus ou moins mise à l'écart de l'histoire et qu'il s'agit aujourd'hui de redécouvrir pour comprendre en fait tout un pan de la vie numérique en Suisse romande à la fin du XXe siècle. Voilà, programme ambitieux. Je vais du coup utiliser cette plateforme pour montrer en fait comment se déclinent certaines des questions propres aux Platform Studies. Alors, tout d'abord, on a ce personnage ici à droite, Jean-Daniel Nicou. Vous avez ce reportage TV qu'on ne va pas voir maintenant, mais qui est disponible en ligne, où il joue un Snake avec son assistant. Et le journaliste lui demande si ce n'est pas futile de jouer à des jeux vidéo à l'université. Et il lui répond au contraire, c'est extrêmement riche, ça nous permet d'apprendre la programmation, ça nous permet de comprendre l'informatique. Donc déjà en 1979, on a cette question stupide à laquelle il répond de manière catégorique. Enfin, disons que la question est légitime, mais en 2020, on commence, 2021, on commence à en avoir un petit peu marre. Et donc, comme souvent avec le jeu vidéo et ses relations avec la presse, on a des cycles, on a des thèmes qui reviennent sans cesse. Ce professeur, Jean-Daniel Nicou, dirigeait un laboratoire d'informatique sur les microprocesseurs et était très intéressé par l'aspect pédagogique. Notamment, il a mis en place un club d'électronique en Suisse romande dans les années 60 et 70 qui avait plusieurs centaines de membres, qui initiait les enfants à l'informatique. On construisait soi-même son ordinateur, par exemple, et puis différents bidules électroniques. Et donc voilà, il y a quelque chose de très, très avant-gardiste, très axé aussi sur la pédagogie, et on verra que c'est intéressant dans les liens avec le jeu vidéo. Mais ce qui l'intéresse, lui en particulier, c'est de créer des machines. C'est un peu un inventeur premier. Donc là, à droite, on a les logidules qui sont en fait des petits blocs qu'on peut brancher les uns aux autres et qui permettent de découvrir les circuits logiques, de découvrir d'avoir une introduction en fait à l'électronique et à certaines propriétés des ordinateurs, de l'informatique. Et à gauche, vous avez le Scribe, qui fait partie de la série des Smaky, qui est un ordinateur conçu pour les journalistes pour qu'ils puissent écrire leurs articles en voyage. Donc vous avez on ouvre en fait ce petit clapet avec un miroir qui permet ensuite d'avoir une réflexion de l'écran qui est du coup cachée sous le clavier et qui permet, qui joue le rôle du coup d'un ordinateur portable. Ensuite, c'est possible de le brancher sur un téléphone et d'envoyer ses articles aux quatre coins du monde. Cet ordinateur va donner son nom à la série des Smaky pour Smart Keyboard, vu qu'ici l'ordinateur est caché sous le clavier. Ici, on parle de la fin des années 70, donc quelque chose d'assez avant-gardiste. Ensuite, on va enchaîner sur des ordinateurs comme dans la série des Smaky, le Smaky 6 ici, son écran, son clavier, un lecteur de disquette sur la gauche, et puis la possibilité de brancher des éléments sur les côtés. Ici, on voit une fiche en bas. Et ensuite, le Smaky 100 qui va devenir l'un des produits phares de la marque. Donc on parle d'un ordinateur qui a été exploité commercialement depuis la fin des années 70 jusqu'à la fin des années 90. Ici à droite, en particulier, vous voyez une très belle souris créée pour cette machine. Il faut savoir que Jean-Daniel Nicou et certains de ses collaborateurs ont créé à l'élaboration des souris qu'on utilise aujourd'hui. Ils n'ont pas inventé la première souris, mais les souris qu'on utilise aujourd'hui, donc pas les trackpads, les souris en périphérique externe, descendent en fait de leur recherche. Alors, ces ordinateurs vont être vendus en Suisse romande, d'abord dans des entreprises, ensuite à des individuels, et puis tranquillement vont se retrouver en fait dans les écoles, avec une richesse de logiciels assez incroyable, notamment en intégrant les logiciels qui sont créés par les utilisateurs
de l'ordinateur. On va, en faisant un petit peu une recherche historique dans les articles de presse, on trouve des choses intéressantes, comme le fait de travailler en fait en télétravail. Ici déjà, il y a plus de 20 ans. Il faut savoir que dès le début, hein, donc déjà 30 ans plus tôt, Epsitech, l'entreprise qui gère les SMAKI, n'a pas de bureau en fait. Le bureau, c'est la cuisine de Madame Nico qu'on a vue avant, qui était remplie d'ordinateurs. Et en fait, tout le monde travaille à distance. Donc c'est intéressant de voir qu'on a déjà en fait ceci. On a déjà un dispositif qui rappelle un petit peu les dispositifs qu'on a aujourd'hui en 2020-2021. Une autre chose qui est très intéressante quand on gratte un petit peu, c'est qu'il y a énormément de recyclage. D'un jeu à l'autre, on récupère des pans entiers du code, on reprend des moteurs entiers. Et donc ça, c'est une conception qui peut... Enfin, on a parfois l'impression... Enfin, comment dire? Ça peut donner en fait un aperçu de comment on créait les jeux autrefois. À l'époque, il n'y avait pas encore des moteurs commerciaux qui étaient partagés par tout le monde. En fait, on avait déjà ce système de recyclage qui existait. Alors bien sûr, ici, c'est un cas particulier lié à une entreprise, mais on peut imaginer que ce modèle existe ailleurs. On a une utilisation aussi du SMAKI dans le cadre scolaire. À nouveau, dès la fin des années 80, là, c'est plutôt 90, on a des ordinateurs qui sont mis en réseau avec la possibilité de passer sur l'écran mat. Donc l'enseignant peut projeter en fait son écran chez les élèves et ensuite leur redonner la main. Et donc, on a déjà toute une série de réflexions avec des ordinateurs qui sont mis en réseau, qui a plus ou moins, enfin, comment dire, qui est quelque chose d'assez banal aujourd'hui. Et ici, ça nous permet en fait de comprendre, de revoir en fait à quel moment ces différentes propriétés dans l'enseignement de l'informatique ont été introduites dans les classes. Alors, ça reste quelque chose qui est assez ponctuel. Il ne faut pas non plus en faire une généralité. Ici, on voit quelles sont les salles d'informatique équipées d'ordinateurs. Et dans certains cantons, donc, il y a des cantons ici qui sont absents. Parfois, c'est parce qu'ils ont d'autres machines, des IBM PC ou bien plutôt des Macintosh ou des ordinateurs d'Apple. Mais dans certains cas, en fait, on a des cantons. C'est une spécificité en Suisse. C'est que chacun des 26 cantons, donc des 26 parties de la Suisse, décide de sa propre stratégie éducative. Et certains ont décidé de miser sur l'informatique, d'autres pas. Donc, on a toutes ces histoires en fait à étudier, tous ces profs, ces responsables de salles d'informatique qu'il faudra aller chercher pour savoir ensuite comment ils ont enseigné l'informatique. C'est aussi une époque où on enseigne la qui va avoir une influence dans des outils en fait, qu'on utilise de manière quotidienne. C'est aussi, pour l'instant, le plus ancien jeu vidéo, ou en tout cas jeu électronique suisse que l'on connaisse. Je parlais après de l'intérêt pour la pédagogie. Jean-Daniel Nicou, avec ses étudiants, va les inviter à créer des jeux vidéo pour apprendre à programmer. Et donc, ça nous donne aujourd'hui les plus anciens jeux vidéo connus de Suisse, qui sont en fait quasiment tous des détournements. Vous voyez dans les titres en haut à gauche, Guerre des étoiles, course de voiture, on a un jeu de flipper, le jeu de Marianne Bard dont on parlait. Et puis, notamment ici sur la droite, une réécriture du Missile Command, qui était un classique de l'époque.
Et donc, ça, c'est des choses qu'on est en train d'étudier maintenant. Malheureusement, on a perdu le code source de ces tout premiers jeux. Mais on a le code source de nombre des jeux suivants, soit grâce à monsieur Jean-Daniel Nicou, soit grâce au musée Bollo, qui s'est donné comme mission de sauvegarder tout ce patrimoine helvétique. Et on a de la chance, parce que sans cette initiative privée, enfin devenue associative, on aurait en fait très peu de traces de ce patrimoine-là. Et donc voilà, on a ce personnage qui est un de nos héros avec mon collègue David Javert, qui s'appelle Daniel Roux, qui a commencé à créer des jeux vidéo sur les premiers Smackies et qui n'a jamais cessé de créer des jeux vidéo parce qu'il les créait en fait pour accompagner ses enfants qui grandissaient, qui s'intéressaient à des jeux toujours plus complexes. Une chose intéressante ici, c'est de savoir qu'il a toujours travaillé en solo, donc il s'est inspiré en fait de modèles de jeux, mais qu'il n'a pas participé à une scène à l'époque. Donc manifestement, on a un isolement de la Suisse romande. Il semblerait que ce ne soit pas le cas en Suisse alémanique, mais c'est déjà une piste pour nous, pour explorer un tout petit peu ce patrimoine vidéoludique, qui est un autre projet en cours. Donc toute une série de jeux qui sont créés. On voit tranquillement la plateforme Smackie qui disparaît donc, au cours des années 90, et puis des jeux qui sortent sur DOS, puis Windows, et qui vont connaître un certain succès, en étant traduit dans plusieurs dizaines de langues, avec notamment certains... Ici, on a une apparition de Planet Bloopy dans Joystick. Donc, on a du jeu vidéo suisse qui existe à l'international. Ce n'est pas le cas du Smackie, hein, qui est une plateforme qui s'est très, très peu exportée. Et puis, des choses assez intéressantes. Aujourd'hui, on a par exemple la série des jeux de Zachtronix ou bien de Tomorrow Corporation, qui sont des jeux de programmation, qui sont entre purs jeux et jeux éducatifs. Et en fait, déjà à la fin des années 90, ce n'est pas les premiers hein, chez Epsitech. On a déjà à l'époque des premiers jeux de programmation. Ça fait déjà même 10 ans avant celui-ci. Et donc, si on veut écrire une fois une histoire de ces jeux éducatifs, il faudra remonter à des pistes comme celle-ci. Donc nous, ça nous intéresse, c'est quelque chose qui nous intéresse avec le Smackie, c'est qu'en fait, c'est un écosystème, enfin c'est une mini-plateforme qui a un petit peu touché à tout. En étudiant le Smackie, en essayant de l'étudier de la manière la plus exhaustive possible, on va pouvoir aborder toute une série de thématiques qui sont pertinentes par rapport au domaine en fait, des platform studies. Donc à nouveau, c'est pas une plateforme qui a été révolutionnaire, c'est pas une plateforme qui a connu un succès international, mais pour nous, c'est l'occasion aussi d'avoir un peu un bac à sable pour tester toute une série d'approches et d'outils méthodologiques. Une autre raison pour faire ceci, c'est qu'en fait, certains de ces jeux ont eu un impact au-delà de la Suisse romande ou au-delà simplement de jouer et puis d'oublier cette expérience. On a des jeux comme Speedy Eggbert qui ont connu un succès international, avec encore une scène speedrun aujourd'hui, des personnes qui font référence ici. Il semblerait qu'à l'époque, le jeu a été vendu à prix bas chez Walmart et que du coup, il a plus ou moins envahi les États-Unis, mais aussi certaines parties de l'Amérique du Sud, ce qui semble complètement improbable, mais qui montre aussi que on parle aujourd'hui justement d'un marché qui est complètement international. En fait, on a déjà, ça c'est quelque chose qu'on n'ignorait pas, on a déjà en fait cet aspect international qui existe à l'époque. Même si c'est beaucoup plus difficile, il y a 25 ans, en fait, de tracer l'histoire de son jeu et sa propagation. Surtout à une époque en fait, où on peut les pirater et du coup, on n'a pas les chiffres de vente pour savoir où le jeu connaît le succès. Et donc ici, on a, je pense qu'elle est, je ne sais pas si elle est encore avec nous, Stéphanie Madère, qui est professeure de game design à l'Engmin à Angoulême, et puis qui elle-même est en fait a découvert cette vocation pour le game design. Alors peut-être pas uniquement grâce au jeu du Smackie, mais en partie, parce que ces jeux comportaient des éditeurs de niveau à l'époque. Et donc, c'est une des choses qui lui a donné en fait, envie de créer ses propres jeux, jusqu'à finalement devenir programmeuse, game designeuse. Et donc, en fait, on a des parcours de vie, que ce soit les personnes qu'on a mentionnées avant, M. Nicou, Mme Nicou ou Daniel Roux, mais aussi des personnes qui, en grandissant avec le Smackie, que ce soit à la maison ou à l'école, se sont trouvées une vocation, ou disons que ça a une influence sur leur parcours de vie, leur trajectoire. Donc ça, c'est, de nouveau, c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément faire quand on étudie des grosses plateformes, mais c'est des traces qu'on peut remonter, puis qu'on peut explorer et suivre ici à cette toute petite échelle.
Alors voilà, le travail du côté de Bluepi est en cours. On a la chance d'avoir un informaticien passionné de Bluepi qui est en contact étroit avec Daniel Roux et puis qui fait remonter sans cesse en fait des références, des sources, des traces qu'on retrouve des jeux et qui notamment adapte tous les jeux pour les plateformes actuelles. Parce que c'est aussi un travail, c'est un travail de préservation qui est difficile à faire aujourd'hui, c'est qu'on peut sauver. On peut sauver les objets, les mettre en rayon, les documenter, mais les rendre jouables, ce qui est par exemple quelque chose que fait la Internet Archive avec des émulateurs en ligne, ou bien ce que fait ici Mathieu Schroeter avec cette initiative, c'est quelque part en fait vraiment la finalité de pouvoir encore jouer aujourd'hui à ces jeux. Enfin, peut-être la finalité, c'est plutôt d'avoir la machine d'origine pour pouvoir vraiment se replonger dans le contexte avec la souris, le clavier d'époque, etc. Mais disons qu'ici, on a la chance d'avoir cette personne passionnée qui fait un travail qui est quand même très très complexe, qui consiste à aller rechercher les codes sources et puis ensuite les mettre à jour par rapport aux drivers et puis aux contraintes de notre époque. Donc vous pouvez par exemple le rencontrer sur les différents comptes GitHub qui hébergent les jeux et interagir avec lui si ça vous intéresse. C'est quelque chose qui, enfin, c'est quelque chose à mettre en évidence, c'est qu'une bonne partie de l'histoire du jeu vidéo passe par des amateurs comme lui, comme des collectionneurs dans des zones plus ou moins claires, sombres, grises, depuis des dizaines et des dizaines d'années. Alors, je vais bientôt arriver au bout de cette présentation. Donc ici, vous voyez ce travail assez fantastique qui fait d'essayer de rendre toutes les versions qui lui passent dans les mains en fait, disponibles. Et puis voilà, quelques anecdotes et notamment ce travail ici à droite qu'on a fait avec Stéphanie Madère et Romain Goutil et qu'on aura le plaisir de présenter en mai sur une étude avec une approche historique du code source de ces jeux vidéo. Voilà, sur la droite, en fait, on a découvert, lorsqu'on a organisé ce cours public, Daniel Roux est allé chercher en fait, dans son grenier. A redécouvert la première apparition de Bluepi, qui était en fait une bande dessinée qu'il avait faite sur son temps à l'école, quand il était encore à l'école, 10 ans plus tôt. Donc en fait, la première mascotte suisse de jeux vidéo date de la fin des années 70, 10 ans avant le premier jeu qu'il mettait en scène. Donc voilà, on essaye en fait de reconstruire notre petite histoire à notre petite échelle avec des images qui sont assez amusantes. S'il fallait juste une preuve enfin, de l'intérêt de continuer à étudier en fait cette plateforme et les jeux qui l'ont accueilli, c'est qu'on retrouve encore aujourd'hui des détournements, par exemple ici de la figure de Bluepi. Alors là, j'aime bien cet extrait du livre de Nathan Altice que je vais utiliser pour faire la conclusion de cette première présentation en introduction à notre séminaire. C'est que et donc là, on a l'impression en fait que c'est aussi en écho à la FAQ de Bogost et Montfort. Les plateformes de disques ne sont pas simplement une discussion technique. Il s'agit aussi de garder un œil sur les forces culturelles, sociales et économiques qui influencent les jeux vidéo. Les plateformes n'existent pas dans un vase clos. Donc les processeurs, les cartes mères, le code, les consoles, tout ensemble sont influencés par l'histoire, par l'économie, par la culture. Et just j'ai la peine à traduire à la fin, mais grosso modo, c'est un aller-retour en fait. On a aussi ces plateformes qui vont influencer le développement de l'informatique et du jeu vidéo en retour. On peut notamment penser à la grande influence du jeu vidéo dans le développement en fait des cartes graphiques par exemple et puis des ordinateurs de plus en plus puissants, y compris quand ça accompagne la préparation d'effets spéciaux par exemple pour des séries ou des films comme c'est le cas récemment du Mandalorian. Alors bref, c'est vraiment un sujet extrêmement riche. J'ai essayé de mettre beaucoup de choses en évidence. J'ai pas forcément répondu à beaucoup de questions. Mais je propose donc de terminer ici. Ça, c'est une invitation pour les 10 ans des Platform Studies. Les deux auteurs que j'ai souvent mentionnés ont identifié des plateformes, en fait. Ou si vous êtes spécialiste de ces plateformes, a priori, vous avez une plus grande chance d'être publié chez MIT Press. Donc l'Apple II, le Commodore 64, l'IBM PC, les ordinateurs Macintosh,
Windows et puis HyperCard, qui a accueilli beaucoup de jeux assez révolutionnaires des années 80. Et voilà, je termine là-dessus sur le reste du programme. J'espère qu'on a pu voir à partir de là, bah, d'une part, de quoi il s'agit, aussi quels sont les liens entre l'histoire ou les histoires des jeux vidéo et puis les plateformes studies. En particulier, alors là, on est resté un petit peu sur le smaki, mais il y a des histoires locales à écrire. À différentes époques, presque tous les pays ont connu leur propre ordinateur ou leur propre console. Et souvent, c'est des histoires qui ont été un petit peu mises à l'écart, même si depuis 5-10 ans, il y a une sensibilisation, notamment avec la DIGRA, et puis des ouvrages qui sortent sur les Pays-Bas, la Finlande, des recherches qui sont faites en Italie. Et donc, voilà, diverses initiatives, sans oublier de mentionner l'énorme ouvrage d'Alexis Blanchet et Guillaume Montagnon sur l'histoire du jeu vidéo en France et sur l'histoire du jeu vidéo français. Et donc voilà, on a quelque chose de très riche ici. Tout ne s'inscrit pas forcément dans les plateformes studies, mais c'est vraiment une invitation en fait à envisager ces objets et puis tout ce qui les lie et toutes les possibilités de les étudier. Alors, je rends la parole. Merci Yannick pour ton intervention. Je pense que les questions vont arriver tranquillement. Y compris peut-être d'abord dans le chat écrit pour faciliter la modération. Je suis en train juste de vérifier que les personnes que j'avais mutées d'autorité ont été démutées. Simplement aussi, donc, bon, le chat écrit applaudit hein, d'abord ta performance. Je profite de mon rôle de modérateur qui doit aussi combler le temps que les questions sont formalisées pour signaler aussi l'intérêt de ton intervention en termes d'histoire du jeu vidéo. Tu montres aussi à travers tous ces exemples et l'exemple du Smaki l'intérêt de penser en termes de plateforme et que ça représente une entrée dans l'histoire du jeu vidéo qui peut être particulière, qui peut être bénéfique. Qui peut apporter aussi d'autres types d'interprétation ou de mise en relation entre divers faits, anecdotes historiques et sources. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose à ce sujet-là. Donc, précisément la question. L'intérêt, enfin le lien finalement entre les deux grands sujets de ce séminaire, c'est-à-dire les plateformes et l'histoire du jeu vidéo et le fait que là, aborder la question du Smaki en tant que plateforme, ça te permet aussi de tracer une ligne, d'ouvrir une focale particulière sur l'histoire du jeu vidéo suisse. Effectivement, oui. Plus une remarque, une question, comme on dit en général. Pardon. D'ailleurs, c'est une erreur à ne pas commettre. Là, pour l'instant, on a foncé avec tout ce qui touche au Smaki, mais ça, cette plateforme a un peu fonctionné. Comme on le disait, un petit peu à l'écart, que ça soit le développement de la machine, qui est d'ailleurs un petit miracle, parce que c'est vraiment un marché qui est minuscule, et puis les machines Smaki ont existé pendant longtemps, mais aussi au niveau du développement de jeux. Quand on a posé la question avec qui vous échangez à l'époque, qui vous a influencé, qui étaient les développeurs, développeuses de jeux en Suisse à l'époque, en fait, non, personne. Personne. J'aimais bien Age of Empires, alors j'ai fait un jeu de gestion. J'aimais bien les point and click, alors j'ai fait un point and click. On a vraiment en fait un fonctionnement qui est de l'informatique à l'époque, en tout cas en Suisse romande, qui parfois est à peu près exactement pareil aujourd'hui, et d'autres fois n'a vraiment rien à voir. C'est d'autres pratiques. Et donc effectivement, là, on va moins tirer des conclusions sur toute l'histoire du jeu vidéo suisse. Alors, on va aborder plein de points intéressants. On va faire remonter plein d'œuvres, notamment des œuvres d'amateurs, parce que beaucoup de choses étaient partagées à travers le Smaki News, qui était le fanzine, enfin le journal du Smaki, le journal de l'entreprise FCTech. On va faire remonter des œuvres comme celle-ci, mais nos conclusions seront plus intéressantes pour quelqu'un qui va étudier l'existence d'une entreprise en fait de taille similaire en Italie, en Espagne, en France, en Allemagne, en Autriche au siècle passé,
que de vouloir tirer des grandes conclusions sur l'histoire du jeu vidéo suisse. Parce qu'on réalise aussi que c'est des trajectoires assez, assez particulières. Et puis, on a publié cette semaine avec mon collègue de l'Université de Vienne, Eugène Pfister, un court billet de blog où on essaye de comparer les contextes autrichiens et suisses. Et on réalise en fait qu'en Autriche, il se passe des choses complètement, complètement différentes. Et donc voilà, rien que sur la base en fait de ce parallèle. Alors peut-être qu'il y aura d'autres contextes qui ressembleront beaucoup à la Suisse. On en parlera en partie la fois prochaine quand je parlerai du DAI. Comme tu sais, c'est aussi très intéressant là, les remarques que tu fais sur le fait qu'effectivement, quand tu prends même pour objet d'étude une plateforme d'un sous-champ, je vais dire, d'un pays qui n'a pas eu une grande histoire dans le jeu vidéo, entre guillemets, qui n'est pas connu pour ça, finalement, en s'intéressant à une plateforme mineure, parfois tu en sais presque moins sur le jeu vidéo national de ce pays que si tu t'étais intéressé, par exemple, à la présence du Commodore ou du Spectrum en Suisse ou en Belgique. Donc, il y a quelque chose d'assez ambigu dans ces approches qui est intéressant à interroger, évidemment. En effet, c'est vrai que le DAI, en fait, enfin, pour revenir au début de ton intervention, le DAI, cette machine belge, qui était très heureux de découvrir, a aussi une histoire qui n'est pas similaire à celle du SMAKI, qui est à peu près exclusivement étrangère. Mais voilà, ce qui va être génial, moi ce que j'aime bien, quand je fais de la veille en fait, sur ces différents sujets, puis on a une bibliothèque Zotero où on essaye maintenant de répertorier des différents articles sur le sujet, c'est qu'en fait, il y a une grande diversité des jeux, des plateformes au niveau européen. On n'a pas une unité comme c'est le cas aujourd'hui. Et c'est, cette diversité est vraiment géniale sur ce qu'elle dit en fait, de l'informatique au siècle passé. Et du coup, je me réjouis que chaque pays en fait, lance des initiatives de ce genre et puis que tranquillement, on ait une connaissance commune. On peut mentionner aussi, donc il y a ton travail en cours sur le DAI, on peut mentionner les travaux de Jaroslav Svelch sur les jeux vidéo en fait, à l'époque en Tchécoslovaquie. Donc, ce n'est pas une erreur, c'est avant la chute du mur. À l'époque, on a énormément de jeux qui arrivent donc dans ce pays, malgré la séparation entre un bloc de l'Ouest et un bloc de l'Est, et puis des jeux qui sont redécouverts. Et donc là, de nouveau, en fait, on réalise, enfin, nous, on était pépère en Suisse avec nos montagnes et notre chocolat, mais dans ce pays-là, en fait, c'est encore une autre réalité. Et quelque part, étudier ces histoires-là en partant soit du jeu vidéo, soit des supports informatiques, bah, c'est aussi un petit peu reconstruire un peu l'histoire de la deuxième moitié du XXe siècle, sur le plan économique, industriel, et puis sur le plan en fait, du numérique qui n'est pas encore aussi populaire et répandu et omniprésent à l'époque qu'il l'est aujourd'hui, mais qui tranquillement en fait, gagne du marché et puis transforme nos vies.